Alors, la collaboration rêvée, est-ce qu'on en a eu, est-ce qu'on en aura? Il y a un acteur culturel qui part, Didier Deschamps, qui est directeur du ballet. Et c'est voilà une collaboration rêvée. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui d'abord prend en charge un ballet, une quarantaine de danseurs, une structure qui sort d'une crise difficile, et qui en fait un ballet qui trouve un public en Lorraine, mais qui surtout tourne internationalement, qui reste une institution exigeante et reconnue. En même temps, c'est quelqu'un qui propose de faire tous à la barre, de faire tous à table, d'inviter des collègues directeurs de ballet qui viennent faire danser 300 lancéens à la pépinière, dans une logique où on mobilise autant les amateurs que les professionnels, c'est évident. Voilà l'exemple d'une collaboration rêvée qui a eu lieu. Et ce que je souhaite, évidemment, c'est ça. C'est des collaborations de ce type-là où on peut faire travailler ensemble des artistes différents. Et je dirais des responsables de politique publique, voilà, qu'ils soient directeurs d'institution, agents à la ville, aux affaires culturelles ou élus. Mais qu'on puisse croiser la créativité des artistes avec la volonté des élus, et inversement d'ailleurs. Parfois les élus peuvent être créatifs et les artistes sont généralement volontaires.